Les sons et les odeurs ne changent pas beaucoup à Dunwall. C'est ma ville. Je me demande ce que Père m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui. Allez-y, Votre Majesté, montrez-moi ce que vous savez faire. Glisser en dessous pour passer. Dépêche-toi. Tenté. Je savais que j'y arriverais. Tu vas devoir sprinter. Franchir l'obstacle et enfin glisser. Bien, c'est bon. C'est quoi la suite ? Pas le choix, faut grimper. Je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter. Testons mon agilité. Voyons si tu sais te faire discrète, jeune fille. Je veux que tu approches sans que je remarque rien. Si tu en es capable. Père n'arrête pas de parler de discrétion et d'approche furtive. Place-toi en silence et étrangle ta cible. Si tu maîtrises parfaitement l'étranglement, ça fait... La fille de son père. Je ne dois ni te voir ni t'entendre. Au bout d'un moment, l'ennemi finira forcément par te repérer, même si tu es à la limite de son champ de vision. Il n'a rien vu du tout. Comme dirait Corvo Atano, caché comme un secret, calme comme le couchant. N'oublie pas, ton pistolet va réveiller tout le monde.
elle, ne fait aucun bruit. Passer au combat et au maniement des armes. Prête à échanger quelques coups avec ton père? Ouais. C'est bien, ma fille. Quand quelqu'un te lance un coup d'épée, bloque-le. Bloque avec ta lame. Bien. Très bien. Tu as un instinct naturel pour le combat. Si tu bloques au bon moment, tu peux déséquilibrer l'adversaire. Tu es rapide. Allez. Bien joué. Ça devrait arrêter net les assassins les plus déterminés. Tu peux étrangler un ennemi et le neutraliser, même en plein combat. Quand l'ennemi est déséquilibré, tu peux lancer une contre-attaque mortelle. Rassuré de voir que tu sais te défendre. Quand l'affrontement devient inévitable, pas le choix, il faut se battre.